métier de rêve. Ta passion, c'est la magie. Abracadabra. Eh bien, aujourd'hui, tu vas avoir la chance de découvrir le métier de magicien en compagnie de Michael. Il joue le rôle de Brad, un des magiciens du spectacle Mickey Magic Show. Bonjour. Bonjour. Je suis Michael. Non, c'est Gabriel. Tu veux tout savoir sur le métier de magicien? Oui. J'ai plein d'accessoires à te montrer dans les loges. Ça te dit? D'accord. Allez, viens avec moi. La loge du magicien. Bienvenue dans ma loge. Je vais te montrer quelques accessoires qu'on utilise sur scène. Ça, ce sont des lames qu'on utilise pour découper mon assistante en deux. C'est marrant, non? Vas-y, touche. Tous les magiciens ont besoin d'une baguette magique. On compte jusqu'à 3? 1, 2, 3. Abracadabra! Ça, c'est un costume spécial. C'est mon costume de magicien. Tu veux voir un tour de magie? Ouais. Waouh, comment t'as fait ça? Une fois que Michael a mis son costume de magicien, il doit se maquiller. C'est indispensable pour que son visage ne brille pas face à la lumière. Il doit aussi ajouter du noir autour des yeux pour que le public puisse voir son regard de loin. Et voilà, je suis prêt pour le spectacle. Maintenant, tu vas pouvoir participer avec Michael à un petit tour de magie avec des élastiques. C'est pretty cool. Parfait. Alors, vas-y, mets tes deux mains comme ça. Voilà. Tu vois, l'élastique ne peut pas sortir, ni à droite, ni à gauche, ni au milieu. Attention, regarde. Et voilà. Un tour de magie doit toujours rester secret. À toi de jouer. Le spectacle bat son plein et Michael est entré dans la peau de son personnage, Brad le magicien. Et voici la surprise qu'il t'a réservée. Tu vas pouvoir monter sur scène avec lui pour assister à son tour de magie devant tout le public. Et maintenant, Brad va te présenter un numéro qui s'appelle... La vasion plus rapide du monde. Tu t'es débrouillé comme un chef. Super, merci beaucoup. Le conseil. Hey. Alors, tu as aimé participer avec nous sur scène? Comment t'as fait pour devenir magicien? Quand j'avais 4 ans, mon père m'a acheté une mallette de magie pour apprendre à faire des tours. Et je passais mon temps à les répéter devant mes amis et ma famille, et ils étaient super impressionnés, car j'étais déjà doué pour un enfant de 4 ans. Alors je me suis mis à m'entraîner chaque jour pendant des années, jusqu'au moment où je suis devenu professionnel, et depuis, je fais le tour du monde. Une petite surprise pour toi. Abracadabra, tu disparaîtras. Incroyable ! Tu es devenu un vrai magicien !